Bienvenue à l'Église Le Portail en ligne. Mon nom est Simon, pasteur et responsable, entre autres, du ministère des ados, Accès. Si tu nous écoutes pour la première fois, permets-moi de te présenter notre église en quelques minutes. L'Église Le Portail, c'est une église représentée sur pas moins de quatre sites. Laval, Terrebonne, saint eustache et Abitibi. Et pour Pâques 2023, Dieu voulant, nous ouvrirons notre cinquième site situé à Montréal-Nord. Notre mission est la suivante aider tout le monde à découvrir que tout a toujours rapport avec Jésus. Alors, si tu désires en savoir plus ou connaître nos horaires et emplacements, je t'invite à visiter notre site Internet www.eglise-de-portail.com. Chaque semaine, notre Église offre plusieurs activités. Nous avons notre service « Clic pour les enfants » où ils reçoivent un enseignement adapté à leur âge où ils peuvent cliquer avec Jésus et avec les autres. Notre ministère « Accès pour les ados » et PGA, Portail Jeune Adulte, pour les jeunes adultes se retrouvent les vendredis soirs à 19h30 au site de Laval. Pour ne pas manquer leurs horaires, vous pouvez suivre leurs pages Facebook respective. Aussi, nous avons des petits groupes qui se réunissent dans les maisons afin de partager la parole de Dieu et prier ensemble durant la semaine. Si jamais vous désirez connaître où se situe un groupe près de chez vous, écrivez à notre équipe, Petit Groupe avec un S, à Commercial, église portail.com. Finalement, nous partageons la bonne nouvelle de Jésus chaque semaine à travers nos messages. Alors, sans plus tarder, écoutons le message d'aujourd'hui. Bienvenue tout le monde à cette prédication de l'Église de Portail, deuxième message d'une série, d'une belle série qui se nomme Ton année est prédestinée. Ça veut dire que Dieu a destiné d'avance des bénédictions pour ta vie en 2023 et tu as le droit de dire Amen à la maison. C'est-à-dire que dans l'éternité passée, Dieu a préparé 2023. Dieu a préparé de bonnes œuvres dans lesquelles on veut entrer, on va entrer. Et certains pourraient dire bien, moi, le fait que Dieu ait décidé dans l'éternité passée, ça ne change rien dans ma vie. Euh, si je viens te voir et je te dis, tu as hérité de un million de dollars, est-ce que ça change quelque chose dans ta vie? Oui. Maintenant, ce qui change dans ta vie, c'est qu'une décision a été prise dans le passé, quelqu'un a Prédestiné, quelqu'un te prédestiné à recevoir un montant d'argent, une décision passée qui a un impact présent. Et c'est ce que la Bible enseigne une décision passée de Dieu a un impact dans notre vie. Euh, comme certaines personnes, par exemple, tu fais ton testament, tes enfants sont jeunes, et peut-être que tu dis euh, les enfants vont hériter euh, progressivement. Donc, à partir de 18 ans ils vont avoir un montant d'argent, donc si les deux ont décèdent, par exemple si c'est un couple marié, à 18 ans, mes enfants vont avoir un argent, une portion d'argent, À 20 ans, 22 ans. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas que ton jeune immature de 18 ans, alors que tu meurs, hérite, vende la maison, vide tes prend 800 000 et s'en va sur une balloune dans un yacht privé en Californie. Euh, encore une fois, tu veux t'assurer que la provision perdure tout au long de sa vie. Et de la même manière... Dieu a préparé des bénédictions tout le long de notre vie euh, parce qu'il est un bon Père et hey, c'est comme ça qu'on entre dans notre héritage. Et on a vu la semaine dernière que Dieu nous a prédestinés à glorifier Jésus. Donc, pour célébrer sa gloire. Maintenant, souvent, les chrétiens, on a des mots pour se poser la question, on oublie. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire de glorifier Jésus? En fait, glorifier Jésus, ça veut dire de promouvoir la réputation de Jésus dans le monde. En fait, Dieu. Nous a prédestinés, a prédestiné les chrétiens à être le fan club de Jésus. Les chrétiens, nous sommes le fan club de Jésus. Nous l'admirons, nous l'honorons, nous l'adorons, nous le suivons. Euh, nous sommes le fan club de Jésus. Nous faisons la promotion de sa réputation dans le monde et c'est pourquoi les, souvent les non-croyants peuvent nous voir comme étant zélés. Parce que oui, nous sommes les ultras de Jésus. Nous sommes un fan club zélé pour Jésus. Et de la même manière, dernièrement, où, vous savez, Céline n'a pas été retenue dans le top 200 des meilleures chanteuses de l'histoire, le fan club de Céline a monté au créneau pour défendre la réputation de Céline Dion. Et les chrétiens, lorsque la réputation de Jésus est attaquée dans notre culture, les chrétiens se lèvent pour défendre la réputation de Jésus. C'est ça, glorifier Jésus. Maintenant, aujourd'hui, dans ce deuxième message, nous allons voir que nous avons été non seulement prédestinés à glorifier Jésus, mais le plan de Dieu, nous sommes prédestinés à ressembler à Jésus. Une des histoires que j'aime beaucoup, c'est dans les années 20, Charlie Chaplin, à ce moment donné, est en Californie et il apprend qu'il y a un concours d'imitateurs de Charlie Chaplin. Donc, il décide un peu, pour le plaisir comme ça, de, de participer au concours, évidemment, de manière, manière anonyme. Donc, avec un nom, tout ça, il y a à peu près une quarantaine de participants. Donc, il se présente et chaque participant doit faire son imitation de Charlie Chaplin. Et lui est arrivé et puis il a fait son imitation. Et l'histoire nous dit qu'il a terminé 27e sur 40. Il y a 26 personnes qui ont mieux imité Charlie Chaplin que Charlie Chaplin. Maintenant, les chrétiens, nous voulons imiter Jésus. Les chrétiens, nous voulons ressembler à Jésus. Les chrétiens, nous voulons que les gens autour de nous voient le caractère de Jésus. Et c'est à ça que Dieu nous a de destinés. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, j'aimerais te parler de cette promesse. J'aimerais te parler, pour commencer, de la plus grande promesse, selon moi, de la parole de Dieu. Et c'est un même des versets préférés, sinon le verset le plus populaire de la Bible. Selon toi, c'est quoi? Quelle est la promesse biblique la plus populaire de la Bible du Nouveau Testament? On commence justement ce message sur le prédestinat ressemblant à Jésus avec cette promesse. Donc, si tu as ta Bible, ouvre avec moi dans Romains 8, 28. Et si tu es à la maison, probablement que tu as ta Bible. Si tu es en voiture, c'est correct. Laisse tomber la Bible. Ce n'est pas pour toi pour aujourd'hui. Fais simplement écouter. Voici ce que dit la parole de Dieu. La plus grande promesse de la parole de Dieu selon moi. Romains 8, 28. Nous savons du reste que... Toutes choses concourent ou coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Et dans cette promesse, on voit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, c'est toutes choses. C'est-à-dire les péchés. Concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça ne veut pas dire que tu pêches volontairement, ça veut juste dire que Dieu, est plus grand dans sa grâce, peut transformer la répercussion néfaste de tes péchés en un témoignage de sa gloire. Les maladies, toutes choses incluent les erreurs, incluent les deuils, les accidents, les crimes, les désastres, les épreuves. La parole de Dieu dit toutes choses. Quand la parole de Dieu dit toutes choses, moi je crois que ça veut dire toutes choses. Et toutes ces choses, Concours au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est un enfant de Dieu, toutes ces choses négatives concourent pour ton bien, coupe pour ton bien, travaille pour ton bien. Le mot en grec, c'est le mot qui a donné synergie. Synergie, c'est des éléments disparates qui forment un tout cohérent. Tous ces éléments-là que tu ne veux pas dans ta vie, Dieu peut s'en servir et les transformer en bien. C'est ce que Joseph va dire à ses frères. Vous aviez projeté de commettre, de faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. La promesse, c'est que pour l'enfant de Dieu, tout le mauvais, tout le mal que nous vivons, Dieu va le transformer en bien. Et tu te poses la question, mais comment est-ce possible? De la même manière que manger un œuf cru, est-ce que c'est bon? Non. Est-ce que manger une cuillerée de farine, est-ce que c'est bon? Non. Manger de la levure, est-ce que c'est bon? Non. Euh, boire de l'essence de vanille, est-ce que c'est bon? Non. Mais un bon cuisinier va prendre tous ces éléments-là et va en faire un gâteau merveilleux. Et de la même manière, ces éléments-là, indépendamment, ne sont pas bons. Mais ce que la Bible nous dit, c'est que notre Dieu est un le cuisinier céleste peut faire une en fait, il les utilise comme des ingrédients pour une recette pour ton bien qui va être à sa gloire. Quelqu'un devrait dire Amen à la maison. De la même manière que lorsqu'on répand du fumier, ah, c'est quoi du fumier Du fumier c'est des excréments. Mais dans des excréments, est-ce qu a quelque chose de plus vil de plus négatif que ça Des excréments, c'est totalement inutile. En fait, c'est pas totalement inutile. Les excréments d'animaux sont transformés en fumier qui devient de l'engrais. Ah, là à la maison pour aider la pelouse, on met de l'engrais de poule, du fumier de poule. Donc à un moment donné, je vais s'arrêter je me suis dit, est-ce qu'on vient simplement de, de mettre des excréments partout sur le terrain? Oui, parce que tu sais que l'excrément est un engrais qui amène la croissance. Le chrétien sait que Dieu permet certaines situations dans ta vie, tu as l'impression d'être dans les excréments, j'ai bien parlé, mais tu sais que de ça peut sortir un témoignage à la gloire de Dieu. Tu sais que Dieu peut se servir des éléments négatifs de ta vie pour te faire grandir. Mais cette promesse que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu n'est pas pour tout le monde. Il y a deux conditions. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu as l'habitude de le dire d'un trait. Donc, tout concourt au bien de pas tout le monde, de ceux qui aiment Dieu. Mon ami, est-ce que tu aimes Jésus? Probablement que tu vas dire oui. Sinon, je n'écouterai pas cette prédication. J'aime Jésus. Jésus a dit, si vous m'aimez... Vous garderez mes commandements. Ceux qui aiment Dieu, ce n'est pas ceux qui ont un sentiment d'honneur qui vont honorer Jésus dans leur cœur. C'est ceux qui suivent Jésus. C'est ceux qui honorent la parole de Jésus. C'est ceux qui mettent Jésus au centre de leur vie. Donc, si ce n'est pas ton cas, tu peux t'appeler chrétien, mais selon le standard biblique, tu n'es pas quelqu'un qui aime Dieu. Parce que quelqu'un qui aime Dieu, ce n'est pas des émotions, c'est des actions. La parole de Dieu dit que cette promesse, elle est conditionnelle. Elle est pour les véritables chrétiens. Vous savez, il n'y a pas grand monde, il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui vont dire qu'ils n'aiment pas Jésus. Même, même les non-chrétiens, il n'y a personne qui va dire « Je déteste Jésus ». Mais tu reconnais l'amour par les actions. C'est ce que Jésus va dire. Hein? On recevait des amis à la maison, puis je leur demande, « On avait prévu faire du tartare. Est-ce que vous aimez le tartare ?»« Ah oh oui, on aime ça J'adore le tartare !» En passant, « J'adore Jésus, j'aime le tartare », mais ça, c'est une autre prédication, OK donc, j'adore le tartare. Puis là, tu te poses la question, tu aimes ça? Ouais, j'aime ça, j'aime ça. Vous en mangez souvent? Oh, on en a mangé une fois il y a quatre ans. OK, c'est que, que tu détestes pas le tartare, mais t'aimes pas le tartare. Ma femme aime le tartare et elle en mange 20 fois par année. Donc, encore une fois, aimer Jésus, ça se reflète. Et cette promesse est importante. Parce que la plus grande question, c'est pas est-ce que toutes choses concourent à mon bien. La plus grande question, c'est est-ce que tu aimes vraiment Jésus? Est-ce que tu es vraiment un disciple de Jésus? Est-ce que Jésus est vraiment le Seigneur de ta vie? Et la deuxième condition, en fait, qui découle de la première, ceux qui aiment Dieu, en fait, la première découle de la deuxième. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout concourt au bien de ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. On voit ici l'initiative de Dieu. On voit ici que Dieu a un plan. Le chrétien sait qu'alors qu'il n'avait pas de plan pour Dieu, Dieu avait un plan pour lui. La Bible dit ceux qui sont appelés selon ce dessin. Vous savez, quelquefois, tu attends, tu te fais une entrevue, puis tu attends l'appel. Tu l'attends, tu attends l'appel, ou tu as une jeune fille qui, qui tombe en amour avec un beau jeune homme, tu attends qu'il t'appelle, puis il ne t'appelle pas, puis tu attends, puis tu tu regardes le téléphone espérant qu'il t'appelle. Puis quelle bonne nouvelle de savoir que notre Dieu prend l'initiative et nous a appelés. Et il nous, a appelés. nous avons répondu parce qu'il nous a appelés. Et la parole de Dieu dit Ceux qui aiment Dieu, nous l'aimons parce qu'il a pris l'initiative. Nous l'aimons parce qu'il nous aimant le premier. Mais maintenant, regarde le fondement de cette promesse. Romains 8, 28. Regarde, souvent on prend le texte hors contexte, regarde le verset qui suit. En fait, j'écrire les premiers mots. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 29. Car on a le fondement de cette promesse. C'est quoi le fondement de cette promesse? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre parler de prédestination. Mais moi, ma job, c'est de prêcher la Bible. Donc, le mot est là, je dois le prêcher. Le fondement, comment tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, le fondement de cette promesse, c'est car ceux que Dieu a connus d'avance. Dans la Bible, connaître d'avance, on ne parle pas ici de l'omniscience de Dieu ou la préscience de Dieu. Connaître, on parle de, de relation. C'est-à-dire que dans l'éternité passée avant la création du monde, Dieu nous a vus et Dieu avait un plan pour nous et Dieu déjà est en relation avec nous. Oh. Pourquoi Jésus va dire que lorsque des gens vont se présenter puis vont dire, euh, il donne cet exemple, va dire les gens vont venir à la fin puis vont dire « Laisse-moi entrer, on a fait des miracles, on a euh, chassé les démons, on a, on a guéri les malades. Puis Jésus va dire éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Et de même, Jésus est Dieu, il, il connaît tout le monde. On parle de quoi? On parle de relation. Et la Bible dit que le fondement de cette promesse. Pourquoi nous savons? Le chrétien sait que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, que tout concourt à ceux à mon bien. Parce que je sais que Dieu me connu d'avance. Le 139 nous dit, encore une fois, alors que j'étais une masse informe, tes yeux me voyaient. Et dans ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés. Voici ce que ce, 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 ce verset nous, nous, nous enseigne. Puis pour moi, ça a été une grande révélation. Savez, pendant longtemps, je voyais Dieu comme étant un genre de restaurateur après sinistre. Au Québec, on a une compagnie, je ne sais pas, de publicité, c'est celle que je connais. Calinette. Calinette, c'est quoi? Par exemple, ta maison passe au feu, euh, des, des voleurs viennent vandaliser ta maison, euh, puis il y a un arbre qui tombe sur ta maison, peu importe. Lorsque ta maison vient un sinistre, tu fais venir calinette. Et eux vont venir, puis ils sont des, des, des spécialistes de nettoyage après sinistre. Et pendant longtemps, je voyais Dieu comme ça. C'est-à-dire, je voyais Dieu qui, à un moment donné, lorsqu'on le reçoit comme Sauveur et Seigneur, notre vie est sinistrée. Là, finalement, Dieu va venir, puis là, Dieu va nettoyer. Puis, il y a une part de vérité là-dedans. Mais c'est pas ça exactement que la Bible dit. La Bible dit que Dieu ne vient pas, n'est pas un, un nettoyeur ou un sauveur après sinistre. C'est que dans son plan, nous ne sommes pas après sinistre, mais il a un plan avant sinistre, même avant toute chose. La Bible dit, il les a prédestinés. En fait, ce que la Bible dit, c'est que Dieu n'est pas quelqu'un qui arrive pour simplement réparer les dégâts. Dieu est un architecte qui, bien longtemps d'avance, avait un plan. Dieu n'improvise pas après coup, il planifie avant toute chose. Et comme un architecte, un architecte commence avec c'est quoi le résultat final? Est-ce que je bâtis un centre commercial? Est-ce que je, je bâtis un condo? Est-ce que je bâtis un arénal? Est-ce que je bâtis peu importe? C'est quoi le résultat final? Et le résultat final, Dieu a dit Voici, je vais faire en sorte que pour mon peuple, tout concourt à leur bien. Et lorsque l'architecte a un résultat final, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un plan. De la même manière, Dieu avait le plan que tout concourt à notre bien, et Jésus avait le but il a fait un plan. Dans l'éternité passée, alors la semaine dernière, on a eu Ephésiens 1, avant la fondation du monde, Dieu a fait un plan. Et Dieu a établi une fondation à ce plan. Et cette promesse que tout concourt à mon bien que Dieu est souverain dans ma vie, pourquoi est-ce qu'elle tient? Parce qu'elle est fondée sur une vérité que Dieu m'a prédestinée. Dieu n'improvise pas. Dieu a un plan. De la même manière qu'un architecte, quelquefois, qu'il développe, qu'il bâtit quelque chose, quelquefois, il va faire tomber un mur, euh, il fait venir le démolisseur, et c'est très différent qu'un sinistre. Un sinistre, c'est incontrôlé. Lorsqu'un architecte fait tomber un mur, c'est prévu. Et le chrétien, c'est que quelquefois, il y a des choses dans sa vie qui tombent. Il y a des situations qui arrivent, mais Dieu a prévu. Et ce qui nous réconforte, c'est que nous savons que Dieu a un plan final. Dieu n'improvise pas avec les sinistres de nos vies. Dieu de toute éternité a vu toutes choses et un plan parfait pour nos vies. Quelqu'un devrait dire Amen. Et regarde l'aboutissement de cette promesse. On a la promesse. On a le fondement de la promesse. Mais on continue. C'est pas tout. Nous savons du reste que toute chose perd au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 28. Verset 29. Car qu ceux qui l'ont connus d'avance, il les a aussi prédestinés, le fondement de la promesse. On continue. Il les a prédestinés à quoi? À être semblable à l'image de son fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Wow! On voit ici l'aboutissement de la promesse. Pourquoi est-ce que Dieu a un plan? Le plan de Dieu. Et ici, on voit trois plus pratiques pourquoi Dieu nous a prédestinés. Et la Bible dit que Dieu nous a prédestinés à quoi? À être semblables à l'image de son Fils. Le but de la prédestination, le centre du plan de Dieu, c'est de garantir qu'il y aura toujours sur la terre un peuple qui ressemble à Jésus. C'est de garantir que Jésus sera toujours le premier. Tu vois ici, Dieu, ça dit que Dieu nous prédestine afin que Jésus soit le premier. Le plan de Dieu. Ce que Dieu a fait, le but, c'est que toujours Jésus soit le premier. Vous savez, en, il y a quelques années, pas si longtemps, il y a eu un genre de mini-scandale sur Internet parce que le club de, de, de soccer, football, pour mes amis européens, de Liverpool, était vraiment en avance pour la, la Coupe des Champions. Et il restait encore une bonne partie de la saison et on, on, il y a une vidéo qui est sortie du trophée avec leur nom de déjà gravé. Le nom d'équipe de Liverpool déjà gravé sur le trophée. Puis ça a été un peu un scandale parce que les gens se sont dit, ben, ouais, on ne peut pas faire ça, c'est pas fini, c'est pas... Mais ils étaient tellement en avance que le trophée a déjà été gravé. Alors que Dieu crée toutes choses devant la grandeur, la suprématie de Jésus. Jésus est tellement victorieux, Jésus est tellement glorieux que Dieu le Père a déterminé, le trophée a, été, a déjà été gravé. Jésus est premier. Et peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe les pandémies, les récessions, les guerres, Jésus demeure premier, peu importe ce qui va se passer à la fin de l'histoire. Jésus va être premier. C'est le plan de Dieu, c'est déterminé, c'est fixé. Jésus est inébranlable. Et si Jésus est premier, la Bible dit que c'est ça la prédestination. Non seulement c'est les premiers. Bien, il garantit qu'il y aura toujours sur la terre un peuple qui est semblable à Jésus. OK. Pourquoi est-ce que la Bible nous dit que Dieu a dû nous prédestiner pour ça? Si tu regardes attentivement Romains 8, encore une fois, un texte hors de son contexte, c'est un prétexte. Paul va dire précédemment, puis je t'invite à lire ce passage-là, chapitre 8, c'est un joyau. Puis il va dire que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle en est incapable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les êtres humains, même si on veut de tout notre cœur, on n'est pas capable de ressembler à Jésus. On ne sera pas capable. Si ça dépend seulement de nous, de notre vouloir, de notre désir, on n'est pas capable. D'ailleurs, Romain 3, aucun ne cherche Dieu, mais j'en ai parlé. C'est pourquoi Dieu est intervenu. Dieu a prédestiné un peuple pour garantir qu'il y continuellement sur la terre et au paradis un peuple qui ressemble à Jésus. Vous savez quand tu regardes dans la culture ce qu'on appelle, vous savez il y a les imitateurs, on connaît les imitateurs de, des gens qui vont imiter des vedettes, mais ce qu'on appelle des personnificateurs. Un personnificateur c'est quelqu'un qui amène ça une coche plus loin. Par exemple les personnificateurs d'Elvis. Hein, non seulement ils vont imiter avec la voix, mais ils ressemblent à Elvis. Donc, ils s'habillent comme Elvis, ils dansent comme Elvis, ils sont peignés comme Elvis, ils font les gestes d'Elvis. Puis t'as des gens même qui amènent ça plus loin. Il y a un phénomène présentement de gens qui, qui subissent des chirurgies esthétiques pour ressembler à leur idole. Donc, j'ai vu quelqu'un qui veut ressembler à Justin Bieber, donc il, il se fait continuellement, des des interventions pour ressembler physiquement à Justin Bieber. Puis, tu fais des recherches, tu vas voir plein. Hein. Il, y a des, il y a des gens qui veulent ressembler à Britney Spears, tout ça. Et il y a même des gens qui veulent ressembler à des. À, 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 même pas à des, des êtres humains. Comme par exemple, il y, a, il, y a, il y a un homme qui, lui, a subi plusieurs chirurgies pour ressembler à Ken. Euh, il y a plusieurs femmes, puis j'en ai une en tête, là, qui, qui a subi, a payé des centaines de milliers de dollars pour ressembler à Barbie. Mais pas seulement physiquement, c'est-à-dire. Elle a l'art plastique, sans jeu de mots. C'est comme, c'est même effrayant quand tu regardes. Comme les gens mettent ça à un autre niveau. Il y a même des gens qui vont investir pour ressembler à un animal. Il y a des gens qui vont subir des chirurgies esthétiques pour ressembler à un chat. T'as plein de cas comme ça. D'autres pour ressembler à des serpents. Qui vont même se faire insérer des bosses sous la peau, squintiner pour avoir pis des tatouages. Pis... Les gens poussent à un autre niveau pour ressembler à quelque chose qu'ils admirent. Les chrétiens, nous ne voulons pas ressembler à Barbie, à Ken, à Bieber, à Spear, à un serpent ou à n'importe quoi d'autre. Nous voulons ressembler à Jésus. Et ce désir-là de ressembler à Jésus, c'est Dieu qui l'a mis dans notre cœur. Parce qu'il nous a prédestinés à ça. C'est à ça qu'on est destinés. Qu en enfin tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit à l'intérieur de nous veut nous faire ressembler à Jésus. Mais c'est quoi ressembler à Jésus? Est-ce que ça veut dire qu'on va tous se mettre des tuniques, on se pousser les cheveux, on... ceux qui sont capables sont pousser de la barbe, on se met des gougounes, puis... Est-ce que c'est ça qu'on ressemble à Jésus? Quand la Bible dit que Dieu nous a prédestinés à la ressemblance de Jésus, c'est-à-dire Dieu a le, a le plan que les chrétiens aient le caractère de Jésus. Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. Dieu nous a prédestinés à être doux, gentils et humbles. Cœur comme Jésus. Jésus, son caractère le dit, je ne fais pas ma volonté, mais je fais la volonté de mon Père. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu t'a prédestiné non pas à faire ta volonté, mais à faire la volonté du Père. Hébreu 1 nous dit que Jésus déteste le péché et aime la justice. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu t'a prédestiné à détester le péché et à aimer la justice. Quand on regarde à Jésus, on se dit, Mais c'est quoi le caractère de Jésus? C'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Dieu, c'est un enfant de Dieu. Dieu t'a prédestiné à être aimant. Tu dois être aimant parce que c'est à ça que Dieu t'appelle. Dieu t'a prédestiné à être joyeux. C'est à ça que Dieu t'appelle. Dieu nous a destinés. À être paisible, à être patient, à être bon, à être bienveillant dans un monde malveillant, à être doux, encore une fois qu'on peut traduire par gentil, à être à se maîtriser. Donc, c'est à ça que Dieu nous appelle. Et en 2023, Dieu nous a prédestinés à ressembler à Jésus et c'est ça ton appel. Et c'est là-dedans que tu dois entrer. Et regarde, non seulement pour toi, mais la Bible dit, toujours dans le verset 29, il nous a prédestinés à ressembler à Jésus afin qu'il soit le premier d'un grand nombre de frères. Dieu t'a non seulement prédestiné, mais nous prédestine afin de garantir un grand nombre de chrétiens. Dieu veut une grande famille. Dieu n'est pas chiche. Dieu ne veut pas deux, trois enfants. Dieu veut une grande famille. Vous savez, ceux qui se sont mariés, quand tu prépares tes, quand tu prépares tes noces, la réception, qu'est-ce que tu fais? Tu envoies un. T'envoies une invitation. parce que tu dis aux gens, voici, on va se marier telle date, à tel endroit, puis on aimerait ça que vous soyez là, puis si vous êtes là, tant mieux, vous n'êtes pas là, tant pis. Mais non. Ça coûte tellement cher que tu vas avoir un petit carton RSVP. Répondez, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que quand tu réserves ta salle avec tous les coûts que ça implique, tu veux garantir un nombre de personnes. En fait, ce que la Bible nous dit, c'est que Dieu a garanti, non pas dans un mariage, mais dans les noces de l'agneau, qu'il y aurait full house dans les noces de l'agneau. Dieu a un plan de remplir le ciel aux noces de l'agneau. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et c'est pourquoi le chrétien relève la tête. Parce que Dieu sauve abondamment. Et c'est ça l'aboutissement de la promesse. Et c'est pas tout. On continue. Romain 8, 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. OK. Romain. 8, 29, c'est quoi le fondement? Ceux qui l'ont connu d'avance, et les a aussi prédestinés. Et le but, c'est quoi? Trois choses. Dieu a trois choses en tête. Garantir que Jésus soit le premier. Garantir qu'il y ait un peuple semblable à Jésus. Puis garantir un grand peuple de chrétiens. Et regarde, regarde comment tout ça, ça fonctionne. Regarde l'enchaînement de la promesse. Verset 30. Tout ça est cohérent. Et voici ensuite ce que Dieu dit. Donc, prédestiné est semblant à l'image de son fils afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Wow. OK. Il y a quatre éléments ici. Il y en a cinq en fait de si son père, de nous, christ Avant, je vais parler des, des quatre éléments du verset 29. En fait, du verset 30. On voit ce que les théologiens appellent ici la chaîne d'or de la rédemption. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un maillon, de suite au maillon suivant, au maillon suivant, au maillon suivant, Dieu a un plan cohérent dans ta vie. Euh, par exemple, si tu vois un chien qui est attaché, un chien méchant qui est attaché avec une grosse chaîne, la chaîne peut être énorme. Il peut avoir euh, 108 maillons. Mais la chaîne est toujours aussi solide que son maillon le plus faible. Le chaîne, là, tu vas avoir une méga chaîne, mais si tu as un maillon qui est faible, la chaîne ne sais pas. L'ensemble de la chaîne est rendu inefficace. Dieu a fait en sorte que les maillons de la chaîne de notre salut soient solides. Dieu n'a rien laissé au hasard. Pourquoi? Parce que s'il y a un élément que Dieu. Délaisse. Si un élément que Dieu ne gère pas, si un élément sur lequel Dieu ne met pas, sa main bienveillante. Tout le reste tombe. Et ça, c'est hors de question. Et c'est pourquoi la Bible dit que ceux que Dieu a prédestinés, ah, parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est un but pratique. Il les a aussi appelés. Ah, OK. Et ceux que Dieu a appelés, il les a aussi justifiés, OK. Puis ceux que Dieu a justifiés, il va aussi les glorifier. OK. Pour que tu comprennes, prenons l'exemple du Titanic. Les gens qui sont embarqués dans le Titanic, le Titanic n'était pas le but. Le bien, ce n'était pas pour le Titanic. Le Titanic est un moyen. La destination n'était pas le Titanic. La destination était New York. Donc, le but, ce n'est pas d'entrer dans le Titanic, puis le Titanic s'en va un petit peu n'importe où. Puis non, non, il y avait une destination. Il y avait une prédestination. La destination était fixée d'avance. la même manière, quand tu entres dans la vie chrétienne. On va dire que tu entres dans le Titanic, le but, ce n'est pas juste de vivre une expérience et t'espérer que tu vas te rendre quelque part. Non! Dieu, lorsqu'il te donne est le billet de ton salut, il y a une destination. Tu es prédestiné à la vie éternelle, c'est ce qu'il doit dire. Ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Voici le problème. Le Titanic rencontre un iceberg. Il y a des gens qui, qui tombent. Beaucoup sont en train de se perdre. Maintenant, un des problèmes du Titanic, c'est qu'il n'y avait pas assez de canots de sauvetage, il n'y avait pas assez de gilets de sauvetage. Hein, il, y avait, il y avait un super plan, mais qui n'était pas efficace dans la vraie vie. Maintenant, un des problèmes en passant des gens souvent avec les prédestinations qu'on réagit de manière émotive, puis on, on en fait des débats théologiques, puis c'est pas ça le but. D'avoir des grandes discussions philosophiques sur la prédestination, c'est pas ça, le seul. Le but, c'est d'apporter une consolation. Dieu a fait un plan, oui. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Dieu qui nous a prédestinés nous a aussi, nous a aussi appelés. C'est-à-dire, il a mis ce plan en action, il est intervenu dans le monde. Si je suis là, c'est que Dieu m'a appelé. Si tu es un enfant de Dieu, c'est que Dieu t'a appelé. Nous avons répondu à son appel. Et ce que nous savons, c'est que contrairement au Titanic, notre Dieu, vous savez, dans le Titanic, c'est pas, pas tout le monde qui est comme quelqu'un peut être sauvé par ce par là. Notre Dieu sauve en abondance. Notre Dieu appelle afin que quiconque croise en lui ne périsse point. Notre Dieu veut sauver abondamment. Notre Dieu appelle abondamment. Et le chrétien ne fait pas, qui comprend l'enseignement biblique, ne fait pas une discussion philosophique à savoir est-ce qu'il est prédestiné, prédestiné, pas prédestiné. Le chrétien prie et sait que son Dieu veut sauver. Il comprend ce que l'apôtre Pierre va prêcher, qui va dire « La promesse est pour vous et pour vos enfants et ceux qui sont loin en aussi grand nombre que le Seigneur votre Dieu les appellera. » Donc, quand ça dit que Dieu, qui, ceux qui les ont prédestinés, les a appelés, ça dit que Dieu est intervenu concrètement dans la vie. Et regarde. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Wow! Dans le Titanic, les, les seuls qui ont eu, qui ont été sauvés, c'était les riches. Ceux qui veulent justifier leur place. Pourquoi? Parce que leur section était proche, les canaux étaient proches de leur section. Donc, les riches, même il y a des gens qui ont payé, puis en fait, les pauvres n'ont pas pu. Parce que les pauvres ne peuvent pas justifier leur place. C'est dans le Titanic, encore une fois, on a appelé à être sauvés ceux qui étaient justifiés, les riches. La parole de Dieu dit que ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu justifie. Dieu, la Bible dit Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et dans le contexte de Timothée, on ça, c'est important de lire la Bible. Tranquillement, de regarder le contexte. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes. Ce n'est pas sans exception. Hein? C'est sans distinction. C'est-à-dire que Dieu ne fait pas de discrimination. Dieu sauve des pauvres. Dieu sauve des riches, des hommes, des femmes, des blancs, des noirs. Dieu sauve toutes sortes de personnes. Et le chrétien sait que le Dieu qui l'a prédestiné, que le Dieu qui nous a appelés, le Dieu qui nous a justifiés. On n'a pas besoin de prouver, on n'a pas besoin de gagner, on n'a pas besoin de mériter, on n'a pas besoin de se justifier, parce que Jésus nous justifie, Jésus nous pardonne, Jésus nous accepte. Et regarde, la parole de Dieu dit, ceux que le prédestiné les a, a appelés, ceux que a appelés les a justifiés, et ceux que a justifiés les a glorifiés. Wow! Si tu réfléchis un petit peu, il y, y a une anomalie dans ce verset-là. C'est quoi l'anomalie? OK, les autres éléments sont des éléments passés, mais quand on parle d'être glorifié, on, on parle de la vie éternelle. Donc, le chrétien, on ne l'a pas encore, la vie éternelle. Mais dans la, la chaîne de la rédemption, ce que la parole de Dieu, ce que l'apôtre Paul veut nous enseigner, c'est de la même manière que tout le reste est certain. Le chrétien va être glorifié, c'est-à-dire que son Dieu ne laisse pas sa vie éternelle au hasard. Qu'est-ce que ça veut dire? OK. Le Titanic a rencontré un iceberg. Et beaucoup ne se sont pas rendus à destination à cause d'iceberg. Écoute-moi bien. Il y a deux types de personnes qui sont dans moi. C'est quelqu'un ici, n'est pas. Tu n'as pas fait la paix avec Dieu par Jésus. Si je te pose la question, es-tu un enfant de Dieu? Es-tu dans le fan-club de Jésus? Est-ce que tu as vécu cette nouvelle naissance? Est-ce que tu as la conviction d'avoir reçu le pardon de tes péchés? Est-ce que tu as l'assurance de la vie éternelle? Si tu me dis non. Je te dis, mon ami, Jésus te dit, viens à moi. Jésus t'appelle à lui. Repends-toi, renonce à ta, vie, à ta vie sans lui, abandonne-toi à lui, soumets-toi à lui, crois en lui, accroche-toi à Jésus. Maintenant, pour ceux qui m'écoutent, tu dis, moi, je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas parfait, mais je suis un enfant de Dieu. J'ai la conviction, j'ai le Saint-Esprit à l'intérieur de moi. J'ai été scellé. J'ai la conviction que d'avoir reçu la grâce de Dieu. Je vis la bonne nouvelle. Il y a des gens qui disent ça, puis tu frappé un iceberg dernièrement. Ou peut-être tu vas en frapper un. Il y a une épreuve dans ta vie qui s'est dressée sur ton chemin, puis ça fait chavirer ta vie. Pis ça a tout bouleversé. Il y a des gens qui vécu une épreuve, il y a un iceberg. Puis boum, t'as crashé. Ça peut être n'importe quoi. Difficulté financière dans ta santé familiale, conjugale. Peu importe même doute spirituels. Quand la parole de Dieu dit que ceux que Dieu a prédestinés, les a appelés, les a justifiés, les a glorifiés, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'enfant de Dieu ne craint pas l'iceberg parce que Dieu ne t'a pas prédestiné au iceberg. Dieu t'a prédestiné à traverser l'océan. La bonne nouvelle, c'est que alors que ta vie est impactée, alors que ta vie est chavirée, tu as une espérance. Dieu est avec toi. Et Dieu, par sa grâce, va te faire passer au travers. L'iceberg n'aura pas le dernier mot sur ta vie. C'est le Dieu de toute éternité qui a le dernier mot sur ta vie. Accroche-toi à lui. C'est ce que la parole de Dieu veut dire. Et on termine. Et je fais un bon, je recule maintenant. Okay? Parce que je veux te démontrer comment tout ça est très pratique et très concret. Donc, on a parlé de la promesse. Tout concours ou bien de ceux qui aiment Dieu. Qui sont appelés selon son dessein. On a parlé du fondement de cette promesse. Pourquoi ça, c'est possible? Dieu n'improvise pas, après coup Dieu nous a prédestinés. Et on a vu l'aboutissement de cette promesse. C'est quoi le but? C'est Jésus, 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 Jésus. Que Jésus soit au centre, que Jésus soit honoré, qu'on ressemble à Jésus, c'est ça le but. Et on a vu l'enchaînement. Comment, dans le temps, tout ça fonctionne? Bien, le Dieu qui prédestine, ça ne s'arrête pas là. Le Dieu qui prédestine, est celui qui appelle, est celui qui justifie, celui qui glorifie. Mais c'est intéressant parce que l'apôtre Paul donne cet enseignement-là après avoir parlé d'un sujet très concret. Après avoir parlé du fondement de la promesse, l'aboutissement de la promesse, de l'enchaînement de la promesse, il y a l'exaucement de la promesse. Regarde, les deux ce que l'apôtre Paul enseigne avant de parler que tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Verset 26. De même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonne les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit, c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. c'est là qu'il enchaîne. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux Dieu qui donne son enseignement. Mais pourquoi Paul va greffer ça à la prière? Ok, c'est intéressant. Paul parle d'une promesse future. Tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. On ne le voit pas maintenant, on ne le comprend pas maintenant, on va le comprendre un jour. Il parle d'une prédestination passée. passé. Je vais y arriver. Mais il parle d'une prière présente. L'œuvre de Jésus a un impact dans le passé, dans l'avenir et dans le présent. Comme une sandwich. Hein, un sandwich qui détermine le sens de sandwich. C'est ce qui est dans le milieu. Tu as deux pains qui soutiennent ce qu'il y a dans le milieu. Et l'apôtre Paul... Pour lui, c'est toujours important que le chrétien, que la parole de Dieu, que la doctrine, que la théologie servent de motivation pour sa vie quotidienne. L'apôtre Paul n'est pas intéressé par une classe de doctorat en théologie. L'apôtre Paul veut te donner des vérités puissantes pour ta vie quotidienne. Et c'est pourquoi il parle de la prière. Il dit que, voilà, de même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à nos prières. Pour tous les chrétiens, nous vivons des moments de faiblesse dans la prière. Je vis des moments de faiblesse dans la prière. Je ne sais pas quoi prier, je ne sais pas comment prier. Quelquefois, je n'ai pas le goût de prier. Quelquefois, je n'ai pas la force de prier. Quelquefois, là, je... quand je vis une épreuve plus intense, puis je me retrouve le matin, j'ouvre ma parole de Dieu, et après, je veux prier. Et des fois, là, je dis, je n'ai même pas le goût de t'en parler. Je n'ai même pas le goût. Alors, ça, c'est mes soupirs inexprimables. La bonne nouvelle, c'est qu'alors que qu'on n'est pas très compétent dans la prière, Dieu nous donne le Saint-Esprit pour être un secours. Alors que nous, on ne sait pas quoi prier, comment prier, le Saint-Esprit intercède en notre faveur. Et regarde, comment c'est puissant, comment la parole de Dieu est cohérente. Et celui qui sonde les cœurs, donc Dieu le Père qui sonde les cœurs, connaît. Donc, qui sont le Saint-Esprit dans nos vies, alors dans nos moments de prière, connaît quelle est l'intention de l'Esprit. Et qu'est-ce que l'Esprit, quelle est son intention dans la prière? C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et tu as remarqué après ça, Paul parle du, du plan de Dieu. Donc, en fait, ce que la parole de Dieu nous enseigne, c'est que non seulement que le Saint-Esprit intercède pour nous, mais il intercède selon la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi cette vérité de la prédestination ne sert pas à remplir ta tête, mais à remplir ton cœur. devrait t'amener sur tes genoux, un désir de prier. Certains vont dire À ben quoi ça sert de prier C'est si des choses que Dieu a prédestinées. Jésus va dire Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. En fait, si tu te poses la question, puis, puis je comprends, mais c'est que tu n'as pas compris la prière. La prière ne sert pas à mettre Dieu au courant de nos besoins. La prière sert à, 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 à mettre vie de Dieu dans nos besoins. Vous savez, l'exemple que je donnais souvent, c'est qu'à la maison, euh, on avait un foyer au bois et euh, un poêle au bois, et, et on devait corder des, des, des bûches de bois, puis demander à mes enfants de m'aider. Maintenant, mes enfants auraient pu dire, on n'est pas obligé de l'aider parce que papa ne va pas nous laisser mourir de froid et il, il va le faire quand même. Ben oui, je pas besoin d'eux. Mais je veux leur donner la joie de participer à l'œuvre avec moi. Dieu n'a pas besoin de nous pour faire l'œuvre. Il veut nous donner la joie de participer. Donc, en priant, en évangélisant, en servant. En fait, c'est un privilège pour nous. C'est Dieu qui nous fait la grâce de participer à l'œuvre avec lui, comme un père qui veut, qui donne le privilège à ses enfants. Quand tu demandes à tes enfants de faire ton enfant de 5 ans de faire le ménage de sa chambre. En fait, il ne t'aide pas vraiment parce que ce n'est pas bien fait. Mais tu veux, tu sais qu'une bénédiction à, la, à être responsable de la même manière. Et la Bible nous dit de prier sans cesse. Encore une fois, quelquefois, quand on comprend mal la souveraineté de Dieu, on pense que ça nous démotive à prier. Mais non, mais non! On a tous reçu, lorsqu'on est jeune, tu reçois un cadeau à ta fête ou à Noël, et euh, c'est un jouet, là, tu es, es content, ouais! Et là, tu réalises que ça prend des piles. Quelle déception! Hein? Tu arrives, tu un jouet, très heureux, mais tu ne peux pas t'en servir parce qu'il n'y a pas de piles. Et quelle allégresse quand tu réalises que tes parents ont prévu les piles. Dieu nous donne le salut. Mais Dieu dit dans la prière, c'est seulement dans la prière que je vais te donner les piles. Dieu te donne le salut, mais Dieu veut que tu dépendes de lui continuellement. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Et la prière, une des choses que je réalisais, c'est que lorsque je prie, je donne l'occasion au Saint-Esprit d'inspirer mes prières selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit comme prier dans l'esprit. La même manière, pour moi, la prière, c'est, c'est le vent peut souffler, mais si j'ouvre pas ma voile, ça sert à rien. L'esprit peut agir dans ta vie, mais si tu ne pries pas, ça change rien. La prière, c'est ici ta voile alors que le Saint-Esprit pousse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je prie pour ma famille, pour mes amis qui connaissent pas le Seigneur, je me pose pas la question est-ce qu'ils sont prédestinés ou pas? Non! Si je prie pour eux, c'est que je crois que Dieu met ça, le Saint-Esprit les met sur mon cœur parce que Dieu a un plan pour leur vie. Donc, la prédestination ne me paralyse paralys pas notre prière, me donne le goût de prier parce que je sais que lorsque j'ai des choses à cœur, c'est le Saint-Esprit à l'intérieur de moi. Donc, ça change tout. Donc, c'est quelque chose de fondamental. Avez-vous remarqué, terminant, comment des fois les gens vont, vont, vont réagir à tout ce discours sur le libre arbitre pis, encore une fois, on réagit à une caricature souvent de fois. Mais as-tu remarqué comment dans la prière, tous les chrétiens mettent l'accent sur la souveraineté de Dieu et non pas sur la liberté humaine? Quand tu pries pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur autour de toi, est-ce que tu dis Oh Seigneur, Dieu éternel, respecte leur libre arbitre au nom de Jésus. Personne qui prie comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce que nous prions? Nous disons, oh Seigneur, change son cœur. Seigneur, arrache-le de l'enfer. Seigneur, enlève le voile. Seigneur, transforme-le. Pourquoi nous plaidons Parce que lorsqu'on prie, c'est la chose la plus spirituelle au monde. Puis le Saint-Esprit, on peut débattre à un moment donné de manière philosophique, rationnelle, la parole de Dieu. Mais la vraie affaire dans la prière, le Saint-Esprit, va toujours t'amener dans toutes les vérités. Et le Saint-Esprit va toujours t'amener justement à confirmer cette vérité-là, que tu vas prier la toute souveraineté de Dieu. Tu vas prier le Dieu qui peut changer. C'est ça que tu vas prier. C'est là que le Saint-Esprit confirme la parole de Dieu. Donc, quelle bonne nouvelle nous avons en Jésus. Nous sommes prédestinés à ressembler à Jésus. Nous avons une grande promesse sur nos vies. Nous avons un fondement de cette promesse. Il y a un aboutissement à cette promesse. Il y a un enchaînement à cette promesse. Et nous savons présentement qu'il y a un exaucement à cette promesse. Alors qu'on a des gens sur nos cœurs, ça ne vient pas de nulle part, ça ne vient pas de la chair. Ta chair ne prie pas que des gens soient sauvés. Ça vient du Saint-Esprit. Puis si le Saint-Esprit met des gens sur ton cœur, c'est que Dieu a un plan et Dieu peut sauver. Quelqu'un devrait dire Amen. Alléluia. Prions. Père éternel, merci. Merci d'être le Dieu qui a un plan. Merci d'être le Dieu qui agit. Merci pour ta grâce dans nos vies. Seigneur, nous prions pour nos bien-aimés qui ne te connaissent pas. Seigneur, nous prions pour nos enfants. On prie pour peut-être un conjoint qui ne te connaît pas. On prie pour une épouse, on prie pour des parents, on prie pour des amis. Seigneur, on prie pour des gens qui t'ont connu et qui ont rétrogradé. Seigneur, nous prions dans ta grâce, toi qui continues d'appeler en grand nombre. Seigneur, nous te prions là où ils sont par le Saint-Esprit. Va les chercher. Ramène-les à la maison. Ramène-les à, à la bergerie. Seigneur, arrache-les du royaume des ténèbres. Seigneur, toi qui es le Dieu souverain, qui répond à la prière, pourquoi nous prions? Parce que nous savons que Dieu est souverain, tu n'es pas un Dieu impotent, tu n'es pas un Dieu incapable. Tu es un Dieu tout-puissant, et un Dieu aimant, et un Dieu bienveillant, et un Dieu de grâce, et un Dieu de miséricorde. Et Seigneur, nous prions pour tous nos bien-aimés. Alors que nous accordons la prière, puis il y a des, des gens sur nos cœurs. Seigneur, dans ta grâce, dans ta grâce, au nom de Jésus, sauve, 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 sauve. sauve. Alors que tu appelles un grand nom, je te prie, glorifie Jésus dans la vie de chacun de nos bien-aimés, bien chacun des collègues de travail pour nos patrons. Seigneur, les gens que tu mets sur notre route, que nous soyons enflammés par ta souveraineté, zélés par ta souveraineté, et que nous puissions, Seigneur, s'attendre. Toi qui es un bon Père céleste, qui sais ce que nous avons besoin. Seigneur, la chair est incapable de se soumettre à Dieu. Pourquoi nous avons besoin du miracle de la nouvelle naissance? Oh Dieu, souffle, souffle, souffle. Fais ton œuvre. Seigneur, amène un réveil dans nos Églises. Amène un réveil au Québec, au Canada, à travers le monde. Que Jésus soit glorifié. Amen, Amen et Amen. J'espère que ce message t'a permis d'en connaître plus sur Jésus. Si tu désires en savoir plus sur lui ou sur l'Église Le Portail, je t'invite à nous écrire à info à commercial église portail.com et un membre de notre équipe te contactera dans les plus brefs délais afin de prendre du temps avec toi. En terminant, merci de votre soutien à l'œuvre de Jésus par la prière et par vos dons. Il continue de sauver encore aujourd'hui et de transformer des vies. Votre soutien est important et contribue à notre mission, qui est d'aider tout le monde à découvrir comment tout a toujours rapport avec Jésus. Si vous désirez nous soutenir, vous pouvez le faire directement votre, via votre institution bancaire ou en nous écrivant à don avec un s à portail.com Au nom de toute l'équipe, passez une excellente semaine!